Kiki. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ouh, il y a deux étoiles à côté déjà. Non, il y a deux étoiles à côté, ouais. Alors, il faut y aller là, direct. Chaud. On va aux étoiles à côté, ouais. Je suis là. Bon, allez, je vais à l'étoile aussi. Je suis à côté, moi. Je suis là. J'ai envoyé direct à l'étoile les deux étoiles. Direct en haut. Vous voulez qu'Anthony et moi, on essaie de se charger de cette étoile ou vous... Bon, ouais, allez-y, sans... allez-y. Parce que nous, on sécurise deux étoiles. Surtout qu'on va devoir prendre les trucs intermédiaires. Hein. Parce que le chemin est long. Ouais. Oh là 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 là. Ils sont partis direct, mais comme ils sont en retard, laisse tomber. Ils sont pas prêts d'arriver. C'est pour ça que je fais des jeeps dès le début, parce que ça te fait une mitraillette, mais qui arrive très vite là-bas, quoi. En plus, elle va plus vite pour se mettre en place que les... Et ouais. Ça y est, vous arrivez enfin. Mais normalement, là où vous êtes, il commence par l'étoile du milieu, il me semble. Anthony, tu peux prendre ce dépôt là, de carburant ou pas? Ouais, ah, c'est programmé là. Ah, c'est programmé, c'est bon. Ah, non, mais j'ai cru que c'était Anthony, mais en fait c'est toi. Non, c'est moi. Vous affolez pas, laissez-le. Ça va se faire tout seul. Allez, je vous envoie la Jeep là-haut pour protéger. Dans la foulée, on va faire nos protections. Anthony, t'es en haut avec moi là. Essaie de préparer des protections, je sais pas. Non, c'est David qui est avec toi. Ouais, Dada, David. Je sais pas. Et tu vois, je sais faire. Et tu vois, Anthony, tout à l'heure, je te disais que les deux difficiles étaient en face, les deux experts étaient en face de nous là, et on était tous les deux réunis aussi. Et là, comme par hasard, on est tous les deux du même côté. Ouais. Donc ça pue du cul. Faut sécuriser plus de carburant, hein, putain. Est-ce que tu peux prendre ça, Lolo, avec tes génies là, qui viennent passer là? Ouais, c'est programmé, il va dessus. Parce que sinon, je pourrais construire là, sinon. C'est programmé, il dit. Tout est programmé, ouais. Tout est sous contrôle. Ouais. Putain, il me dit c'est programmé, il a pas pris le coup. Mais non, mais il y va après, là, il est en train de prendre les munitions. Et tes gars, ils sont les... Ouais, mais c'est important, parce que sinon, je pourrais construire en haut. Ah, je sais, mais c'est pareil, l'autre, s'il est pas relié non plus, tu l'auras pas non plus, le point. Et si. T'as besoin des deux. Non, j'avais pas besoin parce qu'on ça fait un chemin avec l'essence et le point qui sont pris. Ils construisent rapidement, hein, nos soldats, Anthony. J'hallucine. Yes. Putain. Anthony, c'est en train de récupérer nos points, c'est chiant. Oh, ils sont énormément là. Ah putain, ils m'ont tué, mon lieutenant. Attention, Anthony. Hein. Ils nous ont. Ouais. Là, ils ont posé des mines au sol et tout. Là. Méfie-toi quand tu y passeras. Sécuriser ici, moi.
Ah, ils arrivent. Putain, ça y est, ils commencent à refaire. Ils recommencent à faire leurs conneries là. Les experts, à chaque fois, ils nous. Pff, ils nous démobilisent. Oh là là, ce qu'il est lent. Allez, installe-toi, putain. Ça va aux étoiles là? Ça se passe? Un peu chaud, mais. Allez, un capitaine en priorité là. Putain, ils arrivent en haut au niveau de l'étoile 5. Heureusement que j'ai construit une petite tourelle, mais attention Lolo. Avec ta jeep, s'il te plaît. Ah ouais, ils t'ont retourné. Ouais. C'est bon, j'ai construit la. J'ai une deuxième jeep qui va arriver. On va m'a réparer la première Jeep. Ouais, attends. Pour l'instant, la deuxième elle va courir. Je la mets à côté, dès que c'est prêt, tu me diras. Dès qu'ils ont construit la troisième tourelle, c'est bon. Ouais. Merde, ils m'ont pris l'étoile. Enfin, ils m'ont pris, ils sont en train, mais. En fait, on n'a pas d'essence ici, on en a un peu. Si, on en a un peu, mais. Oh putain, ils nous ont récupéré un point, les cons. L'eau, tu peux envoyer ta jeep là, s'il te plaît. Il est en train de reprendre le point. Ça leur fait rien. Tu peux moi la réparer, elle va mourir. Ouais, c'est bon. Oh putain, ils arrivent avec un tank. Merde. Putain, ils arrivent déjà avec le petit tank. Allez. Où est-ce que je vais le foutre, putain? Ah, je peux pas, putain. Ah, putain. Non, je suis con, putain. C'est pas grave.
Ah putain, ils se sont mis dans un angle que je peux pas les choper. Ah putain, allez, recule, recule, recule! Ah putain de merde. Quel bande de con. Mais non. Puis ils reviennent au galop, les gars. On est mal au milieu. Et tout en haut, pardon. Tout en haut. Et filez, 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 dégagez. On va essayer de résister en haut, Lolo, j'envoie un tank construction. D'après le renseignement, les Allemands n'ont plus que 100 points. Les officiers signalent la destruction du missile allemand. C'est les mitraillettes qui font le taf, mais j'ai envoyé un canon anti-char. Ils vous ont coupé, coupé le terrain là, les kiki. Ouais, ouais, j'essaie de récupérer. Ouais. Deux half-track et un canon anti-char. Après, j'ai envoyé des parachutistes pour récupérer le point. Ah, mais tu es dessus. Ça va, Anthony, toi? Ça va pour l'instant. Ici, je vais. Ici, un peu le bordel, là. Je vais te ramener du monde. Là. J'ai envoyé un tank en haut, gros. Allez, je t'en mets le 4. Putain, je vais essayer de récupérer un point de carburant là parce que. Ouais, c'est bon, on a presque gagné là. Ouais, on a presque gagné. Et j'arrive juste avec mes unités moi. Je t'envoie du monde à l'étoile. Ici. Ok, super. Là, je suis en train d'envoyer des renforts aussi. Et j'arrive par derrière en plus. Eh bah, ça sera pas la peine. Bah, c'est bon, nickel. Hein. Deux experts, normal. On s'est torché. Voilà. Bon, par contre, ouais, ils commençaient à prendre le dessus dans la carte. Ils sont deux partout. Tout ce qu'ils envoyaient, laisse tomber quoi. Ouais, ils sont de partout, mais en même temps, j'étais en train de reprendre le point de carburant en bas. Anthony, il avait quand même bien géré tout le bas. Vous étiez en haut. Le plus dur, c'était... L'étoile du centre, là, elle allait pas tarder à lâcher, je pense. Non, Anthony m'envoyait du monde et j'avais, comment ça s'appelle, un Stagoon qui arrivait et j'envoyais un Firefly. Donc je pense qu'on aurait tenu au centre. Et vous, de votre côté, vous étiez pas mal non plus, non? Quand tu regardes, c'est deux tanks par-ci, trois bonhommes par-là. Après, ouais, je te dis pas, une demi-heure après, ouais, ça peut... Non, ça va, Dada, il m'a envoyé un tank. Moi, je venais d'arriver, mes deux half-tracks, qui venaient d'arriver. Un canon anti-char, il venait d'arriver. Après, j'avais un autre canon anti-char qui partait, un tank en fabrication. Ouais. Anthony, il avait fait des troupes de toutes les sortes, là, je vois. Et c'était dur grenade, parce qu'en haut. Lance-roquette. Ouais, en haut c'est chaud. C'est long, allez.
Ouais, c'est chaud à y aller en plus, c'est très long à y aller. Et puis il y a rien quand t'arrives. Donc, faut tout faire. Il y a rien pour te protéger, hein, pour te fabriquer des trucs. J'ai mis un barbelé et mon torché en 2-2. À mon avis, vous allez. Vu qu'Anthony et moi, on n'a pas eu beaucoup d'attaques, c'est vous qui allez avoir fait des scores de taré. Non, même pas. Non, j'ai même pas. Pas beaucoup bataillé. Ouais, j'ai pas fait grand chose. Non, même pas. Hein, c'était calme. Bah, j'ai juste eu le temps, tu sais, je suis allé à l'étoile. Et ce qui est bien avec les Britanniques, c'est que quand tu crées les mitraillettes au sol, là, normalement, avec les Ricains, ça te coûte 15 de carburant. Et là, ça coûte rien, ça coûte juste 280. Donc tu peux en faire autant que tu veux, quoi. Et moi, souvent, en début de partie, t'as rien à faire de spécial. Donc j'en ai commencé à en mettre de partout pour sécuriser la zone. Et ça a bien tenu. Et Anthony, alors lui, il s'est étendu sur toute la zone. Il était tranquille là-bas, sur son transat. Il s'est bien étendu. Bon, nickel. Et ben, ça s'est fait au moins. 13 minutes. Honnêtement, heureusement qu'on a gagné assez rapidement parce que je pense que Lolo et moi, on n'aurait pas tenu longtemps. Bah après, on vous aurait envoyé peut-être du monde en renfort, tu me diras. Parce que les deux étoiles les plus importantes, c'était les vôtres, hein, côte à côte. Ils envoyaient des petits blindés, des gros tanks, des snipers, des mitrailleurs, des génies. Ça commençait à chauffer, quoi. Ouais. Moi, j'avais deux aftrak et un canon anti-char. Et je pouvais envoyer les canons anti-char par parachute aussi. J'allais le faire. Mmh. Ce qui est bien, c'est que j'avais les aftrak. Ça, c'est pratique, ça contrôle les unités, les infanteries. Ouais. Surtout avec le char à côté, c'est pas mal. C'est clair. Bon, bah c'est bien en tout cas. Voilà, cette petite vidéo, 13 minutes, ça a été vite fait. Vidéo courte pour une fois. Il y aura plus de monde qui regardera jusqu'à la fin. C'est clair. Et on dira 13 minutes, on n'arrondit pas à 14. Ouais, ça va faire 15 minutes. Ouais. Ça va faire 15 minutes le temps qu'on tchatche. C'est pour ça, faut arrêter de parler. Allez, c'est parti. Allez. On va faire comme ça. Ça va. Allez, on coupe. Ciao, ciao. Allez, à plus. Bye.